Mardi 9 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu. L'actualité est de plus en plus marquée par la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au Conseil de sécurité, la secrétaire générale ou la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, a haussé le ton contre cette situation. Elle a aussi fait des révélations sur l'implication de l'Ouganda dans la dégradation de la sécurité dans la partie est de la RDC. Il a été aussi, ou elle a été emboîtée par Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée parlementaire francophone, qui milite jusqu'à présent pour l'obtention des sanctions contre l'Ouganda présentées à ces jours comme l'autre agresseur de la RDC au-delà du Rwanda. On va essayer de décrypter cette question. On va aussi faire le point sur les propos qualifiés d'outrageux à l'endroit du chef de l'État, propos tenus par Jean-Lucien Boussa au cours d'une conférence scientifique organisée à l'Université de Kinshasa par la Faculté des sciences économiques de cet établissement. D'après Jean-Lucien Boussa, le Congo manque un leadership stratège, un leadership visionnaire, mais aussi un leadership éclairé. Et depuis lors, des appels à sa démission sont lancés de partout. Est-ce que le ministre sera-t-il contraint de démissionner ou il va quitter le gouvernement de son propre gré? Nous en parlons également dans cette émission avec un cadre de l'AFDCA. Il s'appelle Eric Tshiswaka. Bienvenue, cher Eric. Merci, Hervé. Bonjour à toi. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Nous sommes en forme. Vous êtes en voie d'être ou de devenir officiellement marié. J'ai vu les images sur la toile, je me suis dit waouh, enfin, le monsieur s'est décidé de s'engager. Voilà, c'est un peu ça. Donc on peut être politique et aussi être. Nous servons la nation, marié. Oui, il faut. Il n'y a pas de dichotomie. Évidemment, les responsabilités qui attendent la nation demandent à ce que l'on soit aussi responsable soi-même avant Exactement. De vouloir diriger toute une république. Vous savez, la république demande des principes, demande de la sagesse. Des fois, on peut réfléchir seul, mais il y a des moments où on peut réfléchir ensemble pour voir aboutir à une décision définitive après beaucoup de jaugeage, c'est-à-dire réflexion, analyse, et afin d'aboutir à une décision qui permettrait de mettre en place des grandes choses. Moi, je crois que c'est comme ça. Et nous qui sommes, qui voulions, qui aspirons à la gestion de la Respublica, nous devrions emboîter ces pas-là. Et je crois que c'est une responsabilité, une très grande responsabilité. Allez, félicitations d'avance et bon vent à vous. Merci. Allez, beaucoup. D'abord, votre commentaire sur cette grogne, je vais dire persistante, dans votre famille politique, l'Union Sacrée. Je vous ai suivi récemment sur un plateau télé où vous étiez en train de fustiger la manière de se comporter de l'UDPS, qui est aussi votre allié, le parti phare d'ailleurs de votre coalition politique. Je sens aussi à travers votre politique plusieurs autres partis et regroupements dénoncer pratiquement dans la même voie que vous l'attitude adoptée par l'UDPS. Et dans cette même UDPS, il y a à ce jour un autre courant qui se dégage, celui du docteur Ethenie Longondo, qui estime que le secrétaire général dirige très mal le parti. Et dans tout ça, est-ce que vous ne fragilisez pas l'action du chef de l'État? Écoutez, vous savez, lorsque certaines personnes, nous mettons ensemble, c'est par rapport aux principes. Il y a des principes qui sont établis, il y a des principes que nous disons, nous sommes engagés à cela. Et pour nous, surtout au sein de l'AFDC, nous sommes parmi des personnalités ou parmi des acteurs politiques qui respectent ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Et ça, ce sont des principes. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme. Un homme est reconnu pas par le fait de promettre, par le fait de parler, mais c'est par l'applicabilité des principes qui sont établis. Quand on dit qu'il y a la Constitution et que vous appliquez la Constitution, il ne vous est pas demandé de dire que vous allez l'appliquer. Il faut que les gens constatent que vous l'appliquez. Et c'est vraiment ça, mais nous avons vu qu'il y a le non-respect des principes qui devraient être respectés, qui ne respectent pas les principes. Mais évidemment, je nous dirons les principes en question. Je veux vous rappeler qu'avant la mise en place du gouvernement, il avait été prévu que c'est selon les principes qui ont été mis en place. Lorsque vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un ministère. Et nous en avions fait 40 députés nationaux.
La logique voudrait simplement dire que nous ayons Quatre ministères. quatre ministères. Vous en Et avez aussi combien des à ces jours? ministères clés. Il faut les dire. Vous en avez Pourquoi? combien? Nous en avions deux. Il fallait aussi des ministères clés. Pourquoi? Puisque l'AFDC, où Modeste Bahati était dans l'amont de la création de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aidé le président de la République à déboulonner le système de Kabila au premier mandat. Vous savez, pour que le chef de l'État puisse quitter Joseph Kabila ou quitter l'FCC, après tout ce il nous a dit qu'il avait eu comme humiliation, etc., les attaques, Modeste Bahati a servi pour le déboulonnement du système. C'est-à-dire, il a été l'architecte de la création de l'Union sacrée. Je l'ai toujours dit ainsi. Alors, c'est lui qui a fait un travail en amont, qui a donné la majorité parlementaire, qui vous a accompagné dans la réalisation de des avantages pour la nation, des constructions, des routes et tout ce que vous pouvez dire, et qui vous a accompagné lors de la campagne électorale, qui a battu campagne chez lui à l'est de la République, dans toute la République démocratique du Congo. Et qui aujourd'hui vous a accompagné, ces voix, n'est-ce pas, être humiliées pour nous, c'est insupportable. Je l'ai dit comme ça, c'est insupportable, puisqu'il fait partie du présidium de l'Union sacrée. Il a atteint 40 députés nationaux, et vous lui avez donné deux ministères, le ministère du Travail, dont vous avez dépouillé ces ministères de toutes ces substances. Vous avez donné le ministère de la formation professionnelle, et c'est tout. Il n'a même pas un vice-premier ministre, il n'a pas un ministre d'État, il n'a aucun ministère, le ministre de souveraineté, allais-je dire. Et pour nous, nous disons que c'est insupportable. Bien, s'il faut partir dans votre logique selon laquelle 10 députés pour un poste ministériel, l'UDPS compte plus de 150 députés, y compris ces mots. La logique voudrait aussi que l'UDPS ait plus ou moins 15 ministères, mais ce n'est pas le cas. Il fallait aussi comprendre, vous êtes une famille politique composée d'un pléthore de regroupements politiques, il fallait servir tout le monde, même si tout le monde n'a pas été servi. Écoutez, il y a des partis clés, des partis phares, il y a des grands leaders dans ces pays, ceux qui ont fait un travail exceptionnel. Vous n'allez pas comparer, vous parlez de l'IDPS, je crois que la logique qui avait été mise en place ou la stratégie de certaines personnes, c'était de créer des mosaïques pour accompagner leurs partis politiques afin d'avoir des élus. Nous savions ce qui avait été fait. Mais écoutez, vous n'allez pas mettre Modeste Bahati de côté pour dire, écoutez, voilà, l'IDPS avec ses mosaïques en a eu autant et ceux qui vous ont accompagné n'est pas s'occuper des. Dans cette logique-là, acceptons que la logique soit appliquée, que nous ayons deux députés, deux ministères, pardon. Mais quelle sorte de ministère avons-nous eu? On n'a même pas un vice-premier ministre, je vous rappelle, monsieur. Votre problème, c'est le ministère, ou je dirais, le contenu du ministère, ou servir la Non, nation simplement. mais qui sert la nation? Ce sont ceux qui se battent pour conquérir les pouvoirs. Ce sont ceux qui se battent, qui ont de la science, qui ont de la matière, qui veulent apporter ce qu'ils veulent, la construction pour la nation. Donc, quand on dit servir la nation, ce n'est pas une baguette magique. On vous prend des hommes, on met ces hommes dans les conditions qui peuvent leur permettre de servir la nation. Et c'est ça. Donc, nous disons que les principes n'ont pas été respectés. Et pour nous, ça dérange. On le dit, on est au sein de l'Union sacrée. Mais il faut dire la vérité. Il ne faudrait pas, on n'a pas peur de M. Kabouya pour dire à M. Kabouya que, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Mais ce n'est pas Et Kabouya voilà. qui a composé le gouvernement. Non, mais écoutez, M. Kabouya. Évidemment, c'est une question de Non, collaboration entre le mais chef de écoute, l'État il faut et la Première pas, ministre. il faut pas. Certaines personnes, peut-être qu'ils ne savent pas ce qui a été fait. Augustin Kabouya a été choisi comme informateur pour identifier la majorité. Et il l'a fait. Il a fait ce travail-là. Et lui, comme étant informateur, il devrait dire au président de la République, voilà les principes que nous avions mis pour ça. Son rapport a Voilà. été déposé sur la table du président de la Évidemment, République. évidemment, mais Il le revenait président. donc au chef de l'État de trancher sur l'affaire. Non, mais bon, c'est certainement. Il a remis le chef de l'État, et le chef de l'État, lui, a choisi un premier ministre qui est de son parti politique, de Elle l'UDPS. est aussi contestée au niveau de l'UDPS par certains. Mais elle est de son parti politique, de l'UDPS, bien que ça, c'est la cuisine interne. On comprend que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses où je crois qu'on va essayer d'analyser là-dessus aussi. Alors, c'est le président qui est président de la République, il est de l'UDPS, il faudrait le dire, bien que le mandat qu'il exerce Exact. l'interdit, mais il est de l'UDPS. On ne peut pas dissocier cela. Et le président a choisi Soumino avec les principes qui ont été déjà mis en place. D'un premier ministre pour choisir son gouvernement, c'est en collaboration avec le président de la République. Et donc, les principes qui devraient être respectés n'ont pas abouti. Donc, ça veut carrément dire
que pour nous, c'était, c'est pas une sorte de considération après tout ce travail que l'AFDC a fait. Et vous êtes journaliste professionnel. Je vais vous les rappeler encore ou rappeler à la nation. Depuis les premiers mandats du président de la République, il n'y a aucun parti politique en République démocratique du Congo sur le plan médiatique qui a fait un grand travail plus que l'AFDC en termes de la communication. Et vous le savez, et nous en avions fait. Nous en avions fait, nous l'avions accompagné, nous avions accompagné le président de la République. Mais voilà aujourd'hui ce qui est fait. Et la raison pour laquelle vous voyez la République est gérée aujourd'hui dans des très mauvaises conditions. Et vous le voyez, pourquoi? Puisque il y a certains au sein de l'IDPS qui veulent tout avoir. Vous voulez avoir tout sans respecter les principes qui sont établis. Et lorsque les partenaires sont lésés, vous voulez que les partenaires viennent vous soutenir. Mais écoutez, respectez les principes. Parce que le problème, n'est-ce pas aussi votre incapacité, vous, sociétaire de l'Union Sacrée, d'imposer un rapport de force vis-à-vis de l'UDPS qui donne l'impression de s'accaparer de tout et de dicter sa ligne de conduite. À lui seul ou à elle seule, l'UDPS compte à ses jours... pratiquement trois vice-primatures, des ministères d'État n'en parlons pas, et d'autres ministères. C'est-à-dire qu'il revient aussi à vous d'imposer un rapport de force. Nous avions demandé, vous savez, nous sommes des gens qui ne veulent pas faire, comment nous disons ça, un bras de fer avec le président de la République. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous savons que le chef de l'État a une vision, et avec tout ce que nous vivions dans ces pays, l'insécurité et tout ce que nous savions, alors, faire un bras de fer au président, ce n'est pas ça notre leitmotiv. Nous rappelons simplement... Imposer un rapport de force, c'est synonyme de faire au chef de l'État. Nous rappelons simplement au chef de l'État pour dire, nous sommes tes collaborateurs, nous sommes des partenaires politiques, et pas les moindres. Nous rappelons les principes qui devraient être respectés, et ces principes ne sont pas respectés. Et donc, lorsque les principes ne sont pas respectés, vous pensez que vos partenaires vont travailler mieux. Vous savez ce qui a fragilisé Joseph Kabila? Il faut les dire, c'était aussi ce genre de comportement qui a fragilisé la famille politique de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous savez... Vous avez l'impression que le phénomène classique a refait surface au sein de l'Union Sacrée ou autour du chef de l'État. Le chef de l'État est très mal entouré par certaines personnes et aussi ses collaborateurs qui sont proches, notamment je parlerai de... Cercle. Oui, je parlerai d'Augustin Kabuya qui n'a pas aidé le président de la République. Puisque si Kabuya avait cette volonté... Kabuya qui a battu un travail des titans. Non, un travail des titans pour sa survie, pour sa propre vie, et la propre vie de sa famille, de ses proches. Et c'est ça en fait. Vous savez, quand on est un bon collaborateur du président de la République, on présente les tableaux, on présente les avantages, on présente les désavantages, on démontre au président, voilà, si nous ne faisons pas ça, voilà ce que ça peut aboutir. Et on est vrai avec le président de la République. Les principes qui sont établis, on respecte ces principes. C'est ça, être un bon collaborateur du président. Pas celui qui dit au président, toko ça, là, on va simplement les faire, ils vont nous suivre. Kabila en avait fait aussi, qu'est-ce que ça avait fait pour le pays, on va le faire. C'est pas ça, en fait, être un collaborateur. Être collaborateur, vous savez, monsieur Hervé, moi, si je suis chef responsable, je n'aimerais pas être entouré des flatteurs. J'aime pas des flatteurs, j'aime pas des gens qui sont avec vous juste pour vous applaudir. Vous pensez qu'il y a des gens qui flattent le chef de l'État dans son entourage? Ils sont énormément nombreux, s'il faut les dire ainsi. Ils sont vraiment nombreux, mais qui ne font absolument rien. Et les résultats, vous voyez aujourd'hui, le pays marche vraiment à pas de tortues à cause de ces genres de comportements. Merci beaucoup. Et donc moi, je crois que il faut revoir certaines choses. Nous avons été avec le président. Nous sommes avec le président. Alors, il faut que le chef de l'État comprenne cela. Modeste Bahati n'est pas un petit leader, c'est un grand acteur politique. Il pèse 40 députés nationaux. Et il a des sénateurs, il a des députés provinciaux, plus de 70. Très bien. Donc, il mérite être respecté, il mérite être aux côtés du président de la République et l'accompagner. Alors, comment comptez-vous obtenir réparation de cette injustice, mais aussi pousser le président de la République à adopter des stratégies capables d'étouffer la frustration au sein de l'Union Sacrée? Parce qu'à ces jours, la frustration est vraiment visible. J'ai suivi même aussi le député Eliezer Tambwe qui s'est plaigné. Il estime que ce sont des anciens kabilistes qui se sont de nouveau accaparés du pouvoir, qui ont combattu avec le chef de l'État, qui ont mouillé maillot, ne se retrouve toujours pas. Comment le chef de l'État doit se comporter vis-à-vis de cette situation? Le chef de l'État doit être sage. Il doit être simplement sage, comprendre que le pouvoir, lorsqu'on a,
là, on le gère avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. C'est ça ce qui fait ce qui fait décoller la nation. Vous savez, toujours au Sénégal, celui qui est élu président de la République pouvait ne pas accepter à travailler avec son collaborateur qui était son chef du parti. Mais il a accepté. Il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas réfléchi deux On fois. proclame les résultats, Et il est investi le matin et le évidemment, soir, il évidemment, le nomme directement Premier tout à ministre. fait. Et c'est lui qui a été choisi Premier ministre. Certes, il sait que c'est lui qui a été mon Ousmane collaborateur, Sonko. mais actuellement, c'est mon président. Et je Exactement. mérite, je lui dois beaucoup de respect. Ce sont des principes, au fait. Quand des principes sont établis, on ne réfléchit pas des fois. On l'applique et on l'applique de bonne manière. Et c'est ça, la sagesse. Imaginez qu'il ne l'avait pas fait. Ça pouvait créer aussi cette frustration et créer autre chose, la crise qui devrait être installée au Sénégal. Et donc, moi, je crois que la sagesse dirige une nation, la sagesse dirige Très une bien. famille. Et ça, les présidents de la République doivent comprendre. Vous avez dit une chose ici, que ce sont les anciens caciques du président qui ont des... Non, pardon, des Kabila et tout ça. Je ne pense pas qu'avec cette logique, la nation peut avancer. Aujourd'hui, on parle des détournements, etc., en RDC. Vous savez qui détourne aujourd'hui la majorité? Ce sont ceux de l'IDPS. Ce sont ceux de l'IDPS. J'ai vu ici tantôt certains tirer sur Eteni Longondo. Il a volé ceci, l'argent, Exactement, il etc. n'a pas qualité Il n'a pas qualité. d'exiger quoi que ce soit à Mais oui, l'UDPS, c'est aujourd'hui peu que vous. importe son constat sur la mauvaise gestion C'est et le aujourd'hui dysfonctionnement du parti. que vous reconnaissez qu'il a détourné, alors que certains ont dit qu'il avait détourné l'argent du Covid. A-t-il a été arrêté, condamné? Mais vous l'avez blanchi. Il est de l'IDAPES, n'est-ce pas? Nous aurons appris ici que Nicolas Kazadi aurait détourné l'argent de l'État. Il est d'où? Celui ici qui a géré l'enseignement ici, Tony Dis-moi pas. Mwamba, les gens ont gibilé lorsqu'il est parti. Il est d'où? De quel parti politique? Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Donc, ce qui tue ces pays, c'est des antivaleurs. Et vous protégez des antivaleurs, lorsqu'ils ne sont plus d'accord avec vous, vous les vilipendez pour dire que ce sont des détourneurs. Non, attention, nous avons besoin de ceux qui ont la volonté de gérer ces pays. Que ce soit ceux qui ont été avec Kabila ou pas avec Kabila, ceux qui sont de la nouvelle génération ou pas de la nouvelle génération. Ce que nous voulions, c'est construire ces pays et construire ces pays avec des idées, avec de l'intelligence, avec des élites. Qui vont permettre à ce que la nation avance. Ces discours-là qui viennent de combattants de l'IDPS et de certaines personnalités, en tout cas, moi, je crois que ça va encore léser la nation et Merci rien ne va avancer. beaucoup, Eric Tshisoaka. Allez, on va faire le point sur la situation sécuritaire. Au Conseil de sécurité hier, des révélations ont de nouveau été étalées sur la place publique. Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a de nouveau révélé le renforcement du soutien du Rwanda rebelle M23, mais aussi l'implication de l'Ouganda. J'ai suivi aussi, je crois, une sénatrice, je pense américaine, qui a aussi révélé aussi énormément de choses sur cette insécurité. Et ici à Kinshasa, nous continuons de mener la diplomatie, nous continuons de compter sur les pays autour de nous, autour de la sous-région. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous distraire davantage? À ce jour, on comptait sur l'Ouganda. On a même mené une opération conjointe avec l'Ouganda. Et qu'à ce jour, qu'on puisse citer l'Ouganda comme aussi soutien ou allié du M23, est-ce que le président avait-il fait un bon choix en misant sur l'Ouganda? Vous savez, la question sécuritaire est une question très majeure, une question très stratégique qui demande beaucoup d'intelligence lorsqu'il faudrait la gérer, avec beaucoup de sagesse. Il est vrai que nous avons cru en Ouganda comme un pays qui était le nôtre, qui était à nos côtés pour nous accompagner. Mais l'étude de cartes démontre à suffisance qu'il y a certains qui sont aussi un pied d'ici en RDC, un pied dedans avec le Rwanda, un pied avec la communauté internationale. Ça, la question de l'Est est une question, en tout cas, il y a à boire et à manger là-dedans. La complicité de la communauté internationale, c'est tout à fait normal. Un pays qui a des potentialités énormes, qui est sur le plan politique, il y a d'abord des conflits qui sont gérés sur le plan politique, Exact. de certaines personnalités, etc. Et il y a d'autres qui en profitent. Vous savez, dans une maison, lorsqu'il n'y a pas la paix dans cette maison, il y a toujours une porte qui est ouverte pour vous mettre en conflit, etc. Lorsqu'il y a une paix qui est dans la famille, c'est très difficile qu'il y ait quelqu'un d'autre qui viendrait
qui voudraient vous imposer pour créer ce que nous appelons l'insécurité ou le désordre. Alors, moi, je crois que d'abord, la question de l'Est devrait être une question gérée politiquement sur le plan de la politique nationale avec les acteurs politiques. Je vais vous donner un cas précis ici. Ce qui se passe avec Corneille Nangaa de ce côté, vous savez, c'est un homme qui est dérangé, compte tenu de certaines choses qu'il réclame, que nous, nous savions que ce sont des choses que nous ne voulions pas pour la nation. Il faut y régler cela. Il y a des personnalités politiques qui sont beaucoup plus lésées. Il faut vraiment les dire, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit ceux qui sont dans la société civile, ceux qui sont au sein de l'Union sacrée. Lorsque la question politique n'est pas réglementée, n'est pas bien gérée, il y aura toujours des courants qui seront créés. Il y aura quelqu'un d'autre qui va quitter pour dire, voilà, je n'ai pas dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas ce que les autres penseraient de faire, je ne pense pas cela. Mais la question devrait être réglée d'abord sur le plan national et voir maintenant nos partenaires, voir comment nous allons gérer cela. Je crois que le chef de l'État sait ce qui se passe de ces côtés-là. Mais moi, je crois que nous devrions mettre beaucoup de moyens pour équiper notre armée. Nous avions déjà fait ce qu'on a pu faire pour la diplomatie. Nous l'avions menée. Les résultats sont ce que vous le voyez aujourd'hui. Mais il y a toujours un rapport de force. Ne vous attendez pas que l'on puisse condamner le Rwanda par la communauté internationale, puisque cette communauté, dans son sens, cette condamnation changerait quoi? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas vous attendre à ce que l'on puisse condamner le Rwanda ou l'Ouganda, etc. Il faut s'attendre à vous imposer. Je ne dirais pas à s'attendre. Il faut que vous puissiez, que nous puissions nous imposer. En faisant exactement quoi? Mais les rapports de force obligent, c'est-à-dire en équipant notre armée, en nous imposant et en nous battant, il faudrait dire ainsi, pour la paix. La paix ne se demande pas, en fait. La paix s'impose. Nous devrions imposer notre paix, nous devrions imposer la protection de notre souveraineté nationale. Il ne faudrait pas à chaque moment que nous disions, voilà, nous avions été agressés, voilà, nous avions... Ce n'est pas correct, il faille que nous fassions aussi un pas. Nous ayons des collaborateurs, de ceux qui sont d'accord avec la RDC. Si la Russie est importante comme nation pour la République démocratique du Congo, que nous pouvions collaborer avec elle, eh bien nous faisons cela. Si la Chine est d'accord avec nous en disant nous ne sommes pas d'accord avec ce que la France et les autres, on le fait. C'est un rapport de force, ne vous attendez pas que ça soit facile. Donc nous disons que nous avons des collaborateurs qui sont l'Union Européenne, la France et la Belgique et les autres, alors que la France et la Belgique collaborent aussi avec le Rwanda, il y a des intérêts de ces côtés. Et donc tant que les intérêts de l'Union Européenne seront garantis par le Rwanda, et que nous autres aussi avec ce que nous donnons, ne corroborons pas avec ce qui... Ne pensez pas qu'il y aura une résolution. Très bien. Moi je crois ici, je l'ai dit, la guerre est aussi une des manières qui impose le respect. Si nous avons une armée qui est équipée, si nous avons la force de faire face au Rwanda, faisons-les. Et c'est simple, imposons-nous, disons-nous, écoutez, nous fermons nos frontières désormais avec le Rwanda, nous fermons nos frontières avec l'Ouganda, désormais nous ne collaborons pas avec ces nations-là, et voilà, désormais, et c'est ça en fait, c'est un rapport de force. Et nous sommes simplement en train de dire, voilà, nous sommes agressés, on les dit, après des jours, il y a 40 personnes qui sont tuées. Après 3 jours, il y a 50 personnes qui sont tuées. Et nous continuons à dire, nous voulons les sanctions. Non, attention, les sanctions, d'abord, c'est nous imposer nous-mêmes comme nation. Et c'est très capital, c'est très important. Alors, il nous manque exactement quoi pour nous imposer comme nation? Qu'est-ce que nous devons construire en nous en termes de culture, en termes de diplomatie, en termes de politique? Qu'est-ce que nous devons exactement faire? Je crois, d'abord, sur les plans, je l'ai dit tantôt ici, sur les plans nationaux. Il n'y a pas une cohésion nationale actuellement. Il y a vraiment des choses qui ne marchent pas. Il faut vraiment les dire de cette manière. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Je crois que le chef de l'État, s'il veut que les choses aillent mieux, il faut réorganiser la politique nationale, la politique interne. Kabila le faisait à un certain moment. Comment va-t-on avoir une cohésion nationale lorsque vous avez un secrétaire général qui passe son temps à vilipender les autres, à pratiquement insulter les gens? Comment va-t-on avoir une cohésion nationale lorsqu'on ne sait pas se regarder en face et se dire des vérités? Comment va-t-on avoir une cohésion nationale lorsque les uns considèrent les autres comme des ennemis? C'est ça que j'ai dit ici, que cette manière de faire les choses là, c'est pas correct. Kabuya, c'est un secrétaire général d'un parti présidentiel. Je pense que c'est un homme
qui a de la science. Un homme qui a de la science ne se comporte pas, ne peut pas se comporter comme un chien de chasse, un garçon de la rue. Ça, ce n'est pas une école d'élite. C'est un secrétaire général, un secrétaire général d'un parti préfinanciel. Il ne peut que laisser à certains faire cela, et ceux qui ne sont pas de haut cadre de ces grands partis politiques. Voyez-vous, vous savez, la politique, elle est dynamique, c'est dans les temps et dans l'espace. Ah, et la politique aujourd'hui, vous pouvez être aujourd'hui au pouvoir, demain vous vous retrouvez être dans l'opposition, demain après, après-demain, et c'est ça la politique, c'est comme ça la politique. Ce n'est pas un monde où vous pouviez tirer, dire n'importe quoi, et ça peut vous rattraper. Qui pouvait croire aujourd'hui que Kossam Moutamba pouvait être un ministre de la Justice sous les mandats du président de la République? Ne vous rappelez-vous pas qu'il avait tenu des allégations que je ne pourrais pas moi étaler ici? Il a traité le président de la République de tout. Il disait qu'il était plus intelligent que le président de la République. Aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. J'ai vu aussi récemment la vidéo pour l'ancien journaliste aujourd'hui, élevé en dignité, qui disait que Évidemment. Fayulu était deux fois, Évidemment. plutôt doublement intelligent Évidemment. que l'actuel chef de Évidemment, il est l'État. aujourd'hui avec qui? Donc c'est pour vous dire que lorsque nous parlons, nous devrions réfléchir. Moi, je suis d'une école d'élite. Ce que je dis aujourd'hui peut me rattraper demain. Et je dois être sage dans ce que je dis. Il ne faudrait pas que le lait, le miel vous pousse à chier sur les autres. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et donc, il faut faire attention. Je crois que Kabuya doit comprendre qu'il faut protéger la nation. Il ne faut pas vouloir allumer les feux. Attention. Il ne faut pas vouloir allumer les feux. Il faut protéger l'institution présidente de la République. Protéger la nation, protéger les autres institutions. Il faut avoir, comment dirais-je, vous savez, paix à son âme, j'aimais la manière dont Kitenge Yesu parlait. Même quand il n'était pas d'accord avec l'opposition, il n'insultait pas, mais il parlait en parabole. Il parlait, et vous comprenez que ces messieurs attiraient, mais de la très bonne manière, comme je dirais, quelqu'un qui maîtrise. Je ne dirais pas quelqu'un qui maîtrise, parce qu'il maîtrisait la science. J'aime de la manière dont Olivier Kamitatou, lorsqu'il n'est pas d'accord, tire, mais c'est avec éthique. Mais il n'est pas d'accord, il vous l'a dit, mais d'une manière Intelligence. intelligente. Vous pouvez comprendre, ne peut comprendre à cela que celui qui est de cette école des élites. Et je me pose la question, Kabouya est-il de la rue Ne ou faites pas est-il. du fétisme sur Kabouya. Non, mais écoutez, nous parlons de lui, puisque c'est lui, aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le maître des tout, les tout-puissants. Je crois d'ailleurs que c'est lui qui a, lors je dirais, de partage des responsabilités, je penserais que c'est lui qui aurait, peut-être, qui s'est imposé dans certaines choses. Si au sein de l'UDPS aujourd'hui, vous avez des frustrations, comme je vis tantôt ici, l'autre là, et Tony Longondo, et c'est lui, Jacobé, à qui ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, puisqu'ils savent que M. Kabuya pose un problème au sein de l'UDPS, comme parti politique, mais il pose aussi un problème au sein de l'Union Sacrée. Je l'ai dit ici, ça, c'est là, ça n'engage que moi. Il pose problème au sein de l'Union sacrée. De Le quel... non-respect des principes. Et il gère comme il veut. Et c'est ça un problème. Et donc, ça crée tout ce que ça peut créer aujourd'hui. Et les Très chefs de bien. l'État, je pense que si, c'est vrai qu'on pouvait, certains auraient tiré sur Kabound à Kabound, bien que Kabound, des fois, s'est comporté comme un combattant de l'UDPS, mais Kabound était un homme qui réfléchissait beaucoup. Il était intelligent, il savait ce qu'il disait. Il y a des choses que M. Kabound a dites et que nous voyons dans ça, en fait. Alors, je crois que si ce n'est pas trop tard, si on voudrait changer certaines choses, Très il bien. faudrait voir cela. On revient sur la situation sécuritaire à l'Est. En accédant au pouvoir, le président de la République avait plus opté pour la diplomatie plutôt que la force. Il a estimé que cette question d'insécurité, cette question d'agression était peut-être où pouvait trouver des solutions sur la voie diplomatique. Et bien, malheureusement, on s'est rendu compte que la diplomatie a échoué. On a opté pour le Rwanda, on a pensé que Kagame était notre frère, mais il a fini par dévoiler ou par faire tomber ses masques. On a compté sur l'Ouganda. Il s'avère que l'Ouganda aussi n'est pas du tout en odeur de sainteté avec nous. Le Burundi souffle un peu le chaud et le froid, mais il est connu de tous que ces trois pays constituent un danger et une véritable menace pour la RDC. Pourquoi avoir opté pour ces trois nations ou pour les deux, le Rwanda et l'Ouganda à ces jours pointés du doigt accusateurs comme nos agresseurs? Est-ce que c'était opportun d'aller vers ces pays? Bon, je crois que la sagesse du président, c'était
vouloir imposer la paix d'une bonne manière, d'une manière de la diplomatie, on peut collaborer entre. Vous savez, nous sommes entourés par 9 pays voisins. On peut parler avec l'Angola, le Congo-Brazzaville, on peut parler avec l'Ouganda, etc. C'était une manière de collaborer puisque nous voulions que les 9 pays voisins bénéficient aussi des avantages de la RDC, que nous bénéficions aussi des avantages qu'ils présentent, des potentialités qu'ils présentent, des opportunités de créer la classe moyenne, d'opportunités d'affaires, etc. C'est ça, en fait, ce qui fait grandir la sous-région, ce qui fait grandir le pays africain, etc. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Nous avions constaté qu'il n'y a pas eu de la volonté de nos collaborateurs de ces pays voisins-là. Alors, lorsque nous trouvons qu'il n'y a pas cette collaboration, et la logique, c'est aujourd'hui voir comment nous pouvions, pour le moment, mettre fin à cela. Soit, vous savez, il faut beaucoup réfléchir. Soit, nous nous imposons à installer une bonne politique sur le plan interne, et cette politique va influencer sur les politiques des autres. C'est-à-dire, nous pouvions mettre en place des mécanismes de comment nous pouvions renverser les régimes de Kigali, je l'ai dit ici, les régimes de l'Ouganda, du Burundi, imposer des régimes stratégiques qui vont accepter de collaborer avec nous. C'est ça. Vous savez, le Rwanda nous a infiltrés, c'était sa politique de nous infiltrer, de nous occuper, pour imposer sa politique stratégique sur l'exploitation des minerais. Alors, qu'est-ce que nous réfléchissons actuellement pour faire? Si eux nous ont infiltrés, nous devrions aussi réfléchir autrement. Donc, ils nous ont infiltrés, nous pouvons peut-être réfléchir comment renverser les régimes en question. En fait, ce sont des mécanismes à mettre en place. Je ne veux pas étaler beaucoup de tactiques à pouvoir. Arrêtons de nous plaindre. Nous avons été tués pendant des années, réfléchissons. Qu'est-ce qui fait que nous soyons bloqués aujourd'hui? Bon, c'est Paul Kagame qui nous bloque, c'est Paul Kagame qui ne veut pas, c'est Paul Kagame qui collabore. Qu'est-ce qu'il a donné aux Occidentaux qui serait au-delà de ce que nous pouvions offrir aux autres? C'est ça la question que nous devions réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'imposer comme un pays qui crée des problèmes dans la sous-région, qui crée des problèmes en République démocratique du Congo? Et actuellement, au lieu que nous puissions réfléchir cela, nous réfléchissons Kabuya, nous réfléchissons Eteni Longondo, nous réfléchissons... Et c'est ça, ça fait traîner les pas pour la RDC. Mettons-y des stratégies actuellement pour voir comment nous pouvions faire. Et si nous mettons des stratégies, je crois que les choses pourront avancer. Peuvent avancer. L'Allemagne et la France étaient des ennemis pendant un certain temps. Et lorsque le régime de la France était tellement incompris qu'il fallait améliorer certaines choses, etc. Aujourd'hui, ce sont des bons collaborateurs. Très bien. Et donc, je crois que ça va être ainsi. Je suis heureux que vous puissiez relever la responsabilité de vous, acteurs politiques, dans la mise en place des stratégies pouvant mettre fin à cette insécurité. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée à ces jours, vous disposez d'un cadre d'échange qui vous permet de développer toutes ces stratégies? On vous voit plus dans des attaques personnelles, vous êtes plus dans des disputes autour des postes ministériels, mais est-ce que vous pensez pays, est-ce que vous pensez nation? Je crois qu'il y a des gens qui pensent nation, ils sont là, de telles personnes existent. Mais il y a aussi des gens qui sont des égoïstes, qui sont là et qui pourraient s'être près du président et c'est tout. Il y a des gens comme ça, être près du président, influencer que je suis proche du président et c'est tout. Lorsque les uns et les autres sont lésés, vont-ils mettre leur stratégie et tout ça? Vous savez, moi, je suis toujours sidéré quand on traite ces gens, ce sont des kabylistes. Ces gens, on travaille avec Mobutu. Non, mais tous ceux qui ont été avec Mobutu n'ont pas été des personnes mauvaises, attention. Mobutu était entouré de grands voyants, il faut les dire ainsi, des hommes très intelligents. Et les régimes de Mobutu, vous savez ce qui a été fait. Sous Mobutu, à l'époque, nous étions une nation forte. Les Zaïre, qui pouvait blaguer avec les Zaïre? Il y a des gens qui ont quitté avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont géré avec Mouzé, qui était sage. Mouzé a tiré sur Tambo Mamba, ici, vous vous rappelez de cela. Il a tiré sur Tambo Mamba, mais Tambo Mamba était avec nous, il a apporté ce qu'il pouvait apporter en termes de l'intelligence. Les problèmes du leadership, de la responsabilité, c'est vrai que je crois peut-être qu'on peut... On va en parler. On va en parler. La question qui vous divise. Oui, mais nous avons besoin d'un leadership qui ne sera pas simplement un leadership superficiel, non. C'est un leadership qui devrait sanctionner, qui devrait mettre toutes les choses en place pour permettre à ce que la nation... Je ne dis pas que le président Tshisekedi n'a pas ces leaderships-là. Il a les leaderships. Très bien. Mais il faudrait maintenant
cadrer cela de la bonne manière pour faire avancer notre nation. Alors, en interne, on a aussi du mal à nous organiser. J'ai suivi hier au niveau du Nord Kivu la sentence qui a été réservée à 22 militaires qui ont abandonné des munitions, 22 militaires qui ont pris fuite devant l'ennemi, 22 militaires qui ont aussi commis des crimes lors de la prise de la cité de Kanyabayonga par les terroristes du M23. Qu'est-ce que nous faisons pour équiper cette armée? Qu'est-ce que nous faisons pour rendre plus efficaces ces militaires sur terrain? Ben, c'est une honte lorsqu'on apprendrait qu'il y a certains militaires qui ont pris la peau d'escampette pour fuir la guerre. Pour nous, c'est une honte. C'est un sujet d'ailleurs qu'on ne peut même pas en parler. Et puis c'est une honte pour moi. D'abord, ils ont été condamnés par la cour militaire. Oui, mais moi, je voudrais. Il faut d'abord poser la question pourquoi ont-ils pris la peau d'escampette? Est-ce que n'ont-ils pas été servis convenablement? Est-ce que ont-ils été infiltrés? Est-ce qu'il y a des questions que nous nous interrogeons? Vous vantez à ce jour un budget à 16 milliards de dollars américains. Évidemment, les budgets... Et dans tous vos discours, vous révélez que le minimum, on va dire, la moitié de ce qui est mobilisé est orienté vers... Les budgets, nous avons simplement un problème d'organisation de la politique nationale interne. Il y a ces problèmes-là. Vous savez, j'ai vu comment on a géré notre nation. Je prendrai les ministères de la Défense et de l'Intérieur par exemple. On a eu tant de ministres de l'Intérieur qui n'ont rien apporté. Il y a eu, vous savez ce qui a été. Il y a eu Asselo, Gilbert, je crois. Ça n'a pas été structuré. Asselo, et puis Pierre, il y a eu des problèmes. Peter d'ailleurs, c'était, excusez-moi, je l'ai dit, ça n'engage que moi, une honte de qui n'est dit mot. Oui, je l'ai dit ainsi, et sa gestion a été une gestion non responsable d'un ministre de l'Intérieur. C'est une honte pour la République, pour la première fois dans ce pays que nous ayons un ministre de l'Intérieur de cette qui s'était comporté de cette manière, qui je n'ai pas vu moi de la science ni de la compétence là-dessus. Ça n'engage que moi, j'assume mes propos, cette personne ne me l'a dit de les dire, mais je l'assume. Alors aujourd'hui, vous avez Jacquemaine Chabani, que je vois, il tente d'organiser cela, et si... Il y a des militaires qui ont fui, la responsabilité à qui? À ceux qui gèrent l'armée, à ceux qui gèrent la police, à ceux la défense. La défense, l'intérieur, etc. Donc il faut voir toutes ces choses. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas eu les budgets, le moyen pour permettre à ces militaires d'être au front? Moi, j'ai des frères qui sont des militaires, qui sont à l'Est. Moi, Eric Issoakar, mon frère à moi, qui a choisi de faire l'armée. Et des fois, nous sommes sidérés, choqués de ce qui se passe de ces côtés-là. Il y a des sommes colossales qui sont détournées des militaires. Voyez-vous, quand on dit qu'il faut équiper les militaires, on ne vous demande pas d'habiller les militaires en veste pour qu'ils partent en guerre. Non, on vous demande de les remettre dans les conditions, puisqu'ils ont des femmes, des enfants ici, en fait. Lorsqu'un militaire sait que sa femme et ses enfants sont dans les bonnes conditions ici, il va se battre pour sa patrie. Et ça, c'est... Et puis aussi, l'essence du patriotisme. Il faut mettre de moyens. Il faut. Merci. Alors, est-ce que c'est ce qui a été fait? C'est vrai que certains seront condamnés. Il y a peut-être qu'il y a des choses que nous ne savions pas. S'il s'avérait qu'ils auraient été infiltrés, etc., dans certaines choses-là, on peut comprendre. Mais je crois qu'il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Voyons voir ce qui va aboutir à cela. Allez, on va parler Jean-Lucien Boussa, mais d'abord votre commentaire sur cette déclaration de Bintou Keïta qui a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23. Cette crise qui évolue rapidement pourrait provoquer un conflit régional. Que fait la communauté internationale pour mettre fin à cette insécurité? Parce que c'est aussi cette communauté internationale qui est accusée par certains d'instrumentaliser le Rwanda. Vous savez, je l'ai dit, M. Hervé, ne nous attendons pas à la volonté politique de l'Union européenne et de cette communauté internationale. Très bien. En tout cas, ne rêvons pas. Si il y a des gens qui continuent à rêver et qui pensent que l'Union européenne va dire au Rwanda, écoutez, arrêtez, et voilà, je crois que c'est les dindons de la farce. Nous savions aujourd'hui la réalité. Merci. Et face à la réalité, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question que nous nous posons. Bintou a parlé, c'est un rapport qui est présenté, n'est-ce pas, qui démontre en ce sens que nous sommes agressés. Et ces rapports, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dise que le... Il n'a rien dit de ce que nous... Il n'y a rien de nouveau de ce qu'il a dit. C'est tout ce que nous disons chaque jour, que nous sommes agressés.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous faisons? Donc, je crois maintenant, c'est la responsabilité à nos autorités, au président de la République, merci beaucoup, de réfléchir autrement. Et toute la population congolaise est prête. S'il faudrait plus de 100 millions de Congolais qui doivent être dans la rue pour défendre leur intégrité territoriale, nous sommes là et nous sommes prêts à le faire. Merci comme beaucoup. Des patriotes, des gens responsables. Allez, à propos des gens, Lucien Moussa qui a participé dans une conférence scientifique tenue à l'université de Kinshasa sous le haut patronage du recteur de cet établissement, le professeur Jean-Marie Kaembe. L'initiative avait aussi bénéficié du soutien de Vital Kamerhe. La conférence a connu plusieurs participants, notamment Vital Kamerhe lui-même, Matata Ponyo, Jean-Lucien Moussa, je crois Julien Paluku aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi à ces jours, c'est l'exposé de Moussa qui commence à déranger, Bouka qui fait un diagnostic et comme conclusion, il constate que la RDC manque, il n'a pas parlé, il n'a pas pointé ou indexé quelqu'un. Il parle plutôt de la RDC qui manque un leadership stratège, un leadership visionnaire et un leadership éclairé. Et depuis un moment, des gens cherchent à attribuer ses propos ou son diagnostic à Félix Tshisekedi. D'après eux, Jean-Lucien Moussa a visé directement le chef de l'État qui, d'après lui, manquerait un leadership éclairé, un leadership stratège, mais aussi un leadership visionnaire. Comment réagissez-vous face à cette situation? Vous savez, je crois que le propos de Jean-Lucien Moussa, je l'ai suivi celle-là du début jusqu'à la fin. Une activité scientifique et non politique. Évidemment, c'était une activité scientifique. Et il faudrait que les gens définissent bien les leaderships. Peut-être que les combattants de l'IDPS ne connaissent pas ce qu'on attend par leadership. C'est ça les problèmes chez les Français, la définition même de mots et tout ça. Mais ils doivent apprendre ce qu'on attend par la définition. Je crois que le professeur Matata pourrait définir ce qu'on attend par les leaderships pour démontrer à ce visant qu'il y a un souci majeur. Vous savez, dans le leadership, il y a aussi, je voudrais qu'ils me suivent bien, il y a aussi la gestion. Dans la gestion, il y a ce qu'on attend par la planification. Dans la gestion, il y a ce qu'on attend par l'organisation. Planifier, organiser, il y a ce qu'on attend par diriger et contrôler. Je crois que c'est Misberg qui l'a dit, Adam Smith qui l'a dit, qui a défini la gestion comme la planification, l'organisation, diriger et les contrôles. Et dans tout ça, ce qui est important dans la planification, lorsque vous planifiez, vous savez ce que vous devriez faire. On sait qu'on va construire 1000 km de route. Voilà les budgets qui est là. On organise ce qui doit être fait. On dirige ce qui doit être fait. Et on fait ce qu'on attend par les contrôles. Dans les contrôles, c'est là où intervient la sanction. Et dans les contrôles, on regarde, parce que la sanction n'est pas toujours une sanction négative. Non. On peut y avoir une sanction positive lorsque le travail est fait. Exact. C'est ça le leadership, au fait, que certains ne comprennent pas. Le président a mis en place sa vision que nous connaissons. Il veut voir la RDC avancer. Il veut faire des Congolais, des millionnaires. Il veut la création de routes, des hôpitaux, etc. Oui, ça a été planifié puisqu'il y a eu le gouvernement qui a été mis en place, la vision, les programmes du gouvernement. Maintenant, il fallait l'exécution de ces programmes-là. Puisque la vision est, c'est lui qui dit, voilà ma vision en 5 ans, 10 ans. OK? Le gouvernement maintenant se met en exercice, n'est-ce pas, pour l'applicabilité de la vision. Et qu'est-ce qui arrive automatiquement? C'est que lorsque maintenant on a planifié, on a organisé l'exécution, il y a détournement, il y a impunité, il y a immoralité. Ça veut dire quoi? Et lorsqu'il y a dans tout ce qu'il y a et qu'il n'y a pas sanction, le travail qui est fait par l'inspection générale des finances, vous savez, l'IGF qui est là pour les contrôles, l'audit, etc., qui présente les rapports dire en disant, voilà, il y a eu détournement de 200 millions de dollars. Et que la justice en question, qui devrait faire son travail de contrôle et de la sanction, ne l'exécute pas. Allons-nous dire qu'il y a leadership, il y a responsabilité? Je crois qu'il faut quand même être, il faut quand même faire l'école maternelle pour comprendre certaines choses. Et quand Moussa parlait des leadership, le leadership, c'est que nous avons eu un problème depuis l'existence de nos dirigeants, parce que même lui, quand il dit ça, il fait partie de cela. C'est pas simplement qu'il disait le président, même lui a été ministre, il sait que... Il fait partie aussi. Il fait partie des gens qui s'est dit, en tout cas, maintenant, nous voulons vous faire les choses mieux. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché, et il faut revoir cela.
Vous pensez que parmi ces personnes qui ont tenu les discours-là, il n'y a pas eu ceux qui ont détourné, ceux qui seraient accusés, Camille avait été accusé d'avoir détourné l'argent des 100 jours, etc. Il fait partie de ces personnes-là. Matata pour nous les procès, Matata pour nous pèse encore sur lui. Pèse encore sur lui. Ils savent que. Puisque là, c'était, moi, je dirais que c'était entre les hommes de science qui se disaient, écoutez, voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais cette fois-ci, on peut faire mieux. Je pense qu'après cette conférence-là, il a fallu maintenant faire ce qu'on attend par une planification, une projection de ce qui doit être fait convenablement et présenter ça au président de la République et dire, voilà, monsieur le président, ce qui a été fait, voilà, nous avons fait, nous avons analysé, nous avons fait un bilan de telle année à telle année, voilà ce qui a abouti et nous demandons ça. Peut-être c'est ce qui n'a pas été fait. Et ce que j'aimerais recommander aux autres de pouvoir le faire, puisque c'était une Il y a des résolutions qui ont été formulées sur le champ. Voilà, si. Ils ne l'ont pas déposé sur évidemment, du chef de l'État. Si les résolutions ont été faites, je crois que c'est une bonne chose. Il faut présenter au président de la République et lui doit lire. Voir. C'est un homme. Il a ses qualités. Il a ses défauts. Il peut voir, voilà, il y a un problème ici. Bien que le président laisse à certaines institutions de fonctionner de leur manière pour respecter les principes qui sont établis, puisque c'est vrai, c'est la première institution, et c'est le domaine de collaboration existe, mais chaque institution doit travailler. Mais nous voulons, président de la République, de s'imposer sur la sanction. Je l'ai toujours dit, monsieur Hervé, à chaque fois que tu me reçois ici, je t'ai dit que nous avons un problème de la sanction, manque de sanctions. On accuse, on cite les gens, mais ils ne sont pas arrêtés. Même s'ils sont arrêtés pour 2, 3 jours, ils sont acquittés automatiquement et nous ne voyons pas l'argent de l'État qui doit servir la nation. Allez marcher, circuler à Kinshasa, il n'y a pas de route, je vous dis. Il n'y a pas de route. Mais le ministre ici, que vous parlez, par exemple, la dernière fois où j'étais, vous m'avez posé la question de M. Guissaro, il nous a dit que le projet Kinzero évidemment, mais aujourd'hui, il se retrouve comme ministre. Alors, on se pose la question. Reconduit. Reconduit. On se pose mille et une questions. Il y a tant de personnes. Aujourd'hui, on s'est éteint d'avoir détourné l'argent des Covid, alors que le certain aurait déjà s'était éteint. Il avait été protégé. Voyez-vous? Donc, c'est un problème aussi des leaderships qui doit s'imposer. Et je crois que Boussa l'a dit, mais pourquoi tirer sur lui? D'après ceux qui tirent sur lui, son rang de ministre ne lui permet pas de tenir de tels propos. Des flatteurs. De flatteurs. C'est pourquoi lorsque nous avons dit, je l'ai dit tantôt ici, moi, Eric Chizuka, comme cadre de la FDC, je ne suis pas d'accord avec le non-respect des principes, vous avez dit que si nous avions 10 députés, chacun obtiendra un ministère, et que par la suite, vous ne respectez pas ces principes, donc nous ne devrions pas parler, on doit se taire puisque c'est ce qu'on doit faire. Quand M. Katumbi, président Katumbi, n'était pas d'accord avec certaines choses au sein de l'Union Sacrée, puisqu'il faisait partie de l'Union Sacrée, il a dit qu'il n'était pas d'accord, mais beaucoup ont tiré sur lui, puisqu'il disait la vérité, que je ne suis pas d'accord, le non-respect des principes. Il présente un cahier des charges, voilà ce qui doit être fait, voilà, et tout ça, puisqu'il avait ses députés, etc. Et on ne veut pas respecter cela, et par après, on tire sur lui. Non, mais écoutez, soyons vrais, disons les choses telles qu'elles se présentent. On ne veut pas faire du président Tshisekedi comme on a fait du président Kabila, être flatteur, menteur, voilà, tout en dioté, etc. Il faut dire au président la vérité pour que les choses avancent. Si les principes étaient tels que je les présentais ici, respectez-y. C'est ce que nous demandons. Donc, Boussa, ministre, mais étant ministre, il sait qu'il a géré le commerce extérieur pendant beaucoup de temps et qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Peut-être que ce n'était pas à lui. Peut-être qu'il y a eu manque de la sanction. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'on puisse aussi les sanctionner, qu'on puisse faire un contrôle. Vous savez, lorsque c'est bien quand on vient faire un contrôle et que par la suite, ces contrôles aboutissent à ce qu'on dit, Monsieur Hervé a mieux géré l'argent de l'État. Voilà, il y a ça. Et ça démontre ça. Ça pousse aux uns et aux autres d'emboîter les pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de contrôle, comment allez-vous juger Boussa? Dernière question pour terminer l'émission. De quelqu'un qui a mieux travaillé ou de quelqu'un qui n'a pas mieux travaillé s'il n'y a pas eu ces contrôles-là. Très bien, allez, on va terminer l'émission. Est-ce que le président de la République sera-t-il influencé par ses appels à la démission lancée contre Jean-Lucien Boussa? Est-ce que Jean-Lucien Boussa lui-même se considère toujours en odeur de sainteté avec le chef de l'État après tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est dit sur lui? Bon, moi je crois que le discours de Boussa, c'était un discours avec les étudiants, avec ceux qui veulent devenir, ceux qui veulent gérer la nation, pour peut-être dire, vous savez, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas, on ne peut pas peut-être parler de cela, on est peut-être bloqué quelque part, mais vous qui êtes là, qui apprenez, comprenez qu'il faut vous battre. C'était un discours avec les étudiants. Nous, moi, quand j'étais encore étudiant, il y avait des moments où j'étais enseigné par des politiques. Exact.
dehors, ils disent autre chose. À l'auditoire, ils disent aussi autre. Ils vous disent que les pays ne marchent pas. Il faudrait que vous puissiez vous tenir debout et mettre fin à toutes ces choses-là. Je crois que c'était un discours entre les étudiants et voilà, ceux qui gèrent la nation, les ministres et tout ça. Donc là, il n'y a pas un problème là-dessus. Je pense que nos amis veulent simplement créer des situations. Les appels à la démission des Boussa. Non, mais si, est-ce que le président sera-t-il influencé écoutez, par si ça? Si Boussa démissionnait, ça changerait quoi? C'est ce qui ferait directement, qui changerait automatiquement la nation, où la vérité sera changée en mensonge. Il aurait tenu des propos, d'après ceux qui l'attaquent, des propos qui frisent l'insulte à l'endroit du chef de l'État. Non, mais si Boussa démissionne, c'est que Vital Kamerhe est démissionnaire aussi, et il y aura encore de plus que ce n'est pas simplement lui. Matata a parlé aussi des leadership. Mm-hmm. Kamerhe a soutenu même l'hypothèse de Matata, quand il parlait des leadership éclairés et tout ça. Et Kamerhe l'a soutenu. Donc demandez-y aussi à Kamerhe et aux autres qui ont participé de démissionner. Et comme ça, on va mettre, comment il s'appelle, on mettra... celui-là des Mounir et les Gilles Mounir, on va les mettre ministres. Je ne sais pas, on va les mettre ministres de comment on appelle ça, portefeuille. Portefeuille, on va les mettre là-bas. On va prendre l'autre là, Jacobéa, on va les mettre ministre. Jacobéa est contre Kabouya. Mais, oui, mais ce que j'ai dit, puisque vous ne voulez pas qu'on dise la vérité, vous voulez qu'on dise quoi? Lorsque nous disons qu'il y a un manque de leadership, ce n'est pas que nous attaquions au chef de l'État, il n'a pas attaqué, mais nous parlons du bilan de la République démocratique du Congo, la gestion de tout ce qui ont précédé la RDC, et actuellement, il y a un problème, et nous demandons, nous voulions, moi je vais voir le président changer, je voudrais un président qui sanctionne, un président qui dit, la justice m'a déçu, et on voit les ministres de la justice être arrêtés, on voit les magistrats être arrêtés. Dites-moi, vous avez vu les magistrats être arrêtés? Je vis Constant Mutamba qui se bat, qui veut. Mais ça ne va pas aboutir puisque s'il y a les derniers mots, si simplement il y a quelqu'un qui appelle et qu'on dit « Boutikaye », c'est pas correct. Mais qui appelle? Parce que le chef de l'État nous a dit publiquement que lui n'a jamais pris son téléphone pour appeler un juge ou un procureur afin de lui demander de poser un acte mais contre lui, son gré. Alors ouais. Qui appelle? Si lui n'appelle pas, mais il y a certains c'est qui appellent. Le magistrat suprême. Oui, mais peut-être que, je ne sais pas s'il connaît ou pas, peut-être qu'il y a ses proches qui appellent au nom du président. Vous vous rappellerez des vidéos de Chimanga qui disait devant les gens, c'est moi, enfin, devant un entrepreneur, moi c'est le président. Très bien. Moi, j'aurais aimé qu'il soit sanctionné pour cet acte-là, condamné, voir un monsieur qui était conseiller du président dire, moi c'est le président. C'est comme ça que la nation aujourd'hui se présente. Il y a des influenceurs qui disent, moi c'est le président. C'est, au nom du président, libérez telle personne. Merci beaucoup. Donc, on a terminé cette émission. Il faudrait voir les choses autrement. Nous sommes là, nous continuons à soutenir. Modeste Bahati est un homme de paix. Il est en train d'accompagner la vision du président de la République. Qu'est-ce qu'il envisage faire? Parce qu'il n'a pas été nommé au gouvernement. Est-ce qu'il compte encore revenir au bureau du Sénat? Ça, c'est sûr qu'il ça s'est dit bon, depuis un moment. Ce n'est pas interdit. Il serait en train de lorgner la question du Sénat. Ce n'est pas interdit. Il avait été accusé injustement d'avoir détourné l'argent au Sénat. Et lorsqu'il y a eu vérification des uns des autres, je crois que la presse devrait demander pardon. Certains journalistes qui avaient tiré à boulet rouge sans être informés, Bahati, avant de quitter le Sénat, il a laissé les clés de toutes les véhicules qui lui auraient été donnés. Ces véhicules sont portés disparus à ces oui, jours, mais, et par d'après qui, les bureaux d'âge. Par qui? Par M. Sangouma, qui avait remplacé Modeste Bahati, puisque Bahati a laissé les images, existent les clés des véhicules, il a laissé le budget du Sénat, l'argent, la caisse du Sénat n'était pas vide. Modeste avait... Mais la caisse est vide à ces jours, zéro franc. Zéro franc, c'est par qui? Sangouma, qui est arrivé après Modeste Bahati, qui a mal géré. Et Sangouma aujourd'hui, qui commence à tirer à le bureau d'âge actuellement, puisqu'il y a eu ses rapports de force. Bahati, dans sa gestion orthodoxe, ses gestions rationnelles, vous ne trouverez pas ces genres de choses au vol et tout ça, impunité. Qu'est-ce qu'il envisage de faire? La raison pour laquelle, moi, je l'ai toujours dit, c'est un homme qui porte de l'éthique et de la déontologie. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui sert la nation. Et la République démocratique du Congo doit avoir des hommes comme Bahati auprès du président. Va-t-il revenir au bureau du Sénat? Ce n'est pas interdit à Modeste Bahati s'il a des ambitions de continuer à servir la nation. Je crois que ça peut marcher, ça pourrait avancer. Merci beaucoup. Et donc, ses ambitions, s'il voudrait, nous voulions le voir gérer, nous voulions le voir apporter sa connaissance. Merci. Nous voulions le voir auprès du président. Il demande au président de la République de continuer à servir la nation et lui continue à porter ses connaissances, son intelligence au service merci de la nation. Merci beaucoup, Eric Tshiswaka, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.